Parce que oui, mine de rien, la plupart du temps, lorsque l'on pose cette idée que l'on veut parler lentement et que l'on veut évoquer des choses de manière posée, lorsque l'on parle de YouTube, on se dit forcément que la personne qui fait ça, c'est quelqu'un qui se prend pour un professeur et qui oublie que potentiellement, derrière l'écran, ce sont surtout des personnes jeunes et donc qui n'aiment pas l'école qui regardent ça. J'ai souvent entendu des personnes me dire que ce que disait Axolot, aka Patrick Beau, était hyper intéressant, mais que son débit était assez lent et donc poussé à passer à autre chose pour ne pas s'ennuyer devant ses vidéos. Personnellement, j'ai toujours trouvé cela intéressant car je suis réceptif à sa mise en scène, mais je peux comprendre que l'on trouve cela lent à cause justement d'un travail de montage beaucoup plus effacé que sur la plupart des vidéos de cette plateforme. Bon, c'est un parti pris, et donc à partir de ce moment-là, difficile de remettre en cause cela. Surtout quand on respecte le bonhomme, mais au fond, on peut également reconnaître que cela est assez difficile d'accès du coup, et donc que le public sera moins touché qu'avec un autre youtubeur comme Dirty Biology ou Doc7 qui eux ont un montage plus dynamique et efficace. On aurait tendance à dire que lent peut forcément dire chiant. Et ben pour s'opposer à cette idée, je pense que François Teurel en est le plus bel exemple. Même débit de parole, même lenteur dans le choix des mots, de son envie de poser les informations et les paroles, peut-être un peu plus de jeu et de rythmique dans la diction, mais l'idée reste en tout cas sur le papier à peu près la même dans la forme et le fond. Mais Teurel a un chouette montage, beaucoup plus dynamique que sur Axolot, le tout couplé à une mise en scène tout de même rutilante. Mais au fond, cela reste la même chose qu'avec Patrick, tout du moins dans les faits. Et donc l'idée est là, le montage reste à la base de l'efficacité de son récit tout en restant dans sa prime fraîcheur, soit simple, suivant les paroles, et jouant avant tout avec l'attention du spectateur, et également avec son envie de suivre ce que le protagoniste a envie de lui transmettre. Ne pas en faire trop dans le rythme de son montage, pas forcément pour autant dire que l'on est chiant. Bon après, chacun reste juge, mais il faut simplement garder cela en tête pour ne pas non plus catégoriser les youtubeurs, et ne pas se catégoriser automatiquement lorsque tu vas choisir comment monter tes vidéos, et surtout comment tu vas jouer avec cette idée d'apporter de la dynamique et de l'énergie à ton montage. Se poser, prendre son temps, jouer avec les bonnes images, au bon moment, avec la meilleure des intensités et des crescendo, afin de faire ressortir le plus possible la bonne parole, avec le bon ton, l'art soigné mais également intense, de construire un enchaînement clair et logique de paroles, que le montage va sublimer simplement par le biais d'un vers et d'un verset, qui saura comment faire ressortir un cut ou un enchaînement de deux plans bien sentis. Et donc, je me sens un petit peu obligé d'ajouter un petit morceau à la vidéo Starter Pack du mois précédent en vous conseillant un bon logiciel de montage, mais également en vous disant pourquoi c'est important de bien choisir son logiciel.